Si toi aussi tu veux aider un jeune footeux à devenir un grand footballeur, alors abonne-toi à sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. On se blasonne, frappé du lion, tes côtés toujours nous chantent. On est tenus, jamais vaincus, sans les ordres d'enfants. C'est bon, on peut y aller ? Alors moi, si j'étais vous, je penserais deux choses. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, et la deuxième, c'est qu'il faut s'abonner à sa chaîne. Voilà. Palais Bleu-Blanc, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure avec l'OL dans la suite pour rattraper le Paris Saint-Germain. Allez, on se lance tout de suite dans deux matchs, comme d'habitude. Et on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Capitaine de l'OL, Serge Gnabry qui est passé l'année où il a emmené l'OL en Coupe d'Europe. Oh, okay, c'est lui qui a qualifié l'OL et la parade sur cette frappe de Thomas Delaney. Corner tiré par le capitaine, ballon dégagé. Maxence Cacré en retrait en avant pour Serge Gnabry. Gnabry encore, Gnabry et c'est pelé. Gnabry, Gnabry toujours, Gnabry en retrait pour Thomas Delaney. Cacré. Delaney, Gnabry, avec Jeffrey Adelaide, Adelaide la frappe de frappe, la frappe maintenant, Maxwell Cornet en retrait, Cacré, Adelaide, vers Serge Gnabry, pour peut-être le 2-0 et la parade de Pelé. Et le contre lyonnais, il est passé Serge Gnabry, qui a l'air en jambe ce soir, Serge Gnabry, face à Pelé, Gnabry, et l'arrêt, qui est un peu blessé de le cran là. Dans la surface, la parade magistrale d'Anthony Lopez à la 36e minute. L'OL souffre. C'est les Marseillais à l'attaque. Dans la surface de réparation, l'arrêt de Lopez, encore l'arrêt. Triple parade d'Anthony Lopez et le Memphis, Memphis dans la surface, le capitaine Memphis, la parade, ça revient vers Maxwell Cornet, et Maxwell Cornet pour le 2-0, le break est fait, et la faute de Jason Denayer non sifflé, ça sera la pause, il va même pas y revenir, l'OL mène 2-0, on va voir les stats dans cette première période, voilà, match nul qui aurait été logique, mais l'OL mène bien 2-0. À la mi-temps, grâce à Maxwell Cornet et à Serge Gnabry, ses deux ailiers, l'attaque en pointe Memphis n'aura pas marqué ce soir. Les Lyonnais vont se contenter de faire tourner la balle. Là, on voit Pouzard en défense centrale. C'est pas une grande première, mais une grande première dans un choc. Moussa Dembélé qui a vu l'appel de Max Cornet. Max Cornet dans la surface, sa frappe de Max Cornet, le doublé de Maxwell Cornet, ça fait 3-0, le break est fait. Pouzard. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Max Cornet dans la surface, Max Cornet, la frappe, la balle du triplé, non. La frappe peut-être de Max Cornet et de Jeffrey Adelaide, des pénaltys. Pénalty pour l'Olympique Lyonnais. Oh, ça va passer à côté pour Moussa Dembélé. Voilà, normalement, il a gagné cette rencontre.
Tour de Benjamin Mendy, le centre dans la surface. Et le but marseillais, c'est plus la même maintenant. Plus que deux buts d'écart, c'est signé Kevin Strootman. Bon, on va rentrer dans la surface avec la frappe et la parade d'Anthony Lopez, ça sera un corner. Qui va dégager, qui va faire plaisir à son attaquant. L'OL a gagné ce match. Max Cornet pour peut-être s'offrir un triplé. Il profite de l'appel de Dembélé, la frappe, la parade et Marcos Asensio derrière, mauvais contrôle. C'est joué un peu perso, Max Cornet, il veut absolument son triplé. Et donc le ballon du match. Marcos Asensio, Moussa Dembélé, Asensio. Et on va en rester là dans quelques instants. La conférence de presse, voilà. Fin du match, on se laisse pour la conférence de presse, à tout de suite. L'OL a mis sa composition type, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions. Le dégagement. Memphis, le capitaine qui a trouvé Serge Gnabry. Gnabry qui est passé, Gnabry toujours dans la surface. Gnabry en retrait vers son capitaine Memphis. Ça revient vers Marcos Asensio pour l'ouverture du score. L'Olympique Lyonnais devant dans ce stade d'Alouse. Ouais. Il fait la tronche ? Non. Oh l'arrêt ! Il s'habille ? Ouais. Regarde s'il est bien habillé, hein. S'il est beau. T'as tout fini que t'as besoin, chérie ? Oui. Marcos Asensio, Memphis, Moussa Dembélé toujours. Moussa Dembélé qui va centrer au second poteau là-bas vers Serge Gnabry. Ça va revenir vers Marcos Asensio, Memphis le capitaine vers Asensio et ballon dégagé. Les contre lyonnais sont vraiment assassins dans cette rencontre. Mendy. Et Marcos Asensio trouvé par Memphis. La frappe d'Asensio et la parade du gardien de Vlachomidos. Le ballon en retrait, dégagement. Memphis, le capitaine, Moussa Dembélé qui a eu l'appel de Serge Gnabry. Il y a un trou, oui, pour son capitaine Memphis. Memphis dans la surface, sa frappe de Memphis, c'est le but. 43e minute, le capitaine Memphis pour le 2-0. Ah. Il est sûr de jouer une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions, d'avoir un printemps européen. Allez, la pause ici dans quelques instants au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Voilà, la pause ici au Groupama Stadium, l'OL mène au Groupama. Au stade d'Alouse, OL mène 1-0 contre
Et l'OL mène 2 buts à 0 sur sa pelouse, sur la pelouse du stade de la Louse, avant d'affronter pour le dernier match le RB Leipzig qui sera à 100 enjeu. Donc peut-être que je jouerai pas le centre en vidéo, le centre dans la surface. Attention au CSC. Il est passé. Faut pas relancer le match. Ça va passer au-dessus. Attention au trou. Attention au trou. Voilà, roulette. Oh, c'est passé. Dans la surface, le ballon en retrait. 2 buts 1. Le match est relancé. 69e minute. Le ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Faut revenir d'Acosta face à Rafa. Le centre de Rafa. Dans la surface. Et la parade d'Anthony Lopez. Dans les pieds des rouges et blancs. Oh, c'est passé dans la surface. Et l'arrêt d'Anthony Lopez. On joue avec le feu côté lyonnais. Adélaïde face à Jardel. Adélaïde qui est passé. Adélaïde en retrait pour Moussa Dembélé. Dans le temps réglementaire, l'OL va s'imposer et va finir premier du groupe. C'est fait. Victoire de l'Olympique Lyonnais. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et une seule chose, restez chez vous. Je voudrais remercier comme à chaque fois le personnel de santé, les policiers, les pompiers et toutes les personnes qui permettent qu'on va s'en sortir du confinement. Et une pensée pour les professeurs aussi qui donnent de leur temps pour pouvoir qu'on suive les cours. Allez, Kishel Pali, à la prochaine, salut.